Vous êtes boulimique, oh, si vous êtes prêt. Hein. Si, il y a un modérateur qui va mettre Emotonly. Florence, MV, vous êtes prêt? Je suis prêt. Moi, je mets pas les Emotonly, mais je lis pas le chat. Oh la triche. Oh, oh, triche. Oh la triche. Ça n'a aucun intérêt de tricher pour ça. Oh la triche. Tricher. Comment la triche? C'est trop grave. Je vais pas tricher et ça se verra. Moi aussi, pareil. Allez, je lance. C'est parti. Honte. Parce qu'en fait, je suis bête. Oh, je sais pas. C'est l'un ou c'est l'autre? C'est pas ça. Mais si non, je l'ai pas, c'est impossible qu'on trouve. Classique. Non, mais c'est. C'est Jirio pour le raid. C'est ah, celui pour les gens bien, je sais plus. Celui pour les pétasses. C'est ça, ça doit être ça. Je vais mettre. C'est pas ça, je sais pas, ouais. Je sais pas ce que c'est. Les. Spice Girl. Ah, j'ai joué. Les ailes, donc je me dis que c'est ça. Oh, mais non, mais j'y connais oh rien, ça. Mais moi non plus, j'y connais rien. Oh oui. Une chance oh sur 15. Oh oui. J'avoue. Vous connaissez pas Feuille à Joue? La honte. Je connais pas Feuillage ou non, j'avoue. J'avoue, j'ai pas la ref. Je pense que c'est dans Pokémon. Jesus Christ, man. Jésus Christ, homme. Oh putain. Oh putain, ça. Let's go. Aucune idée. C'est. Comment elle s'appelle? C'est Marie Pierce. Comment elle s'appelle? C'est Maurice Mo. Ça. Je crois que c'est Serena Williams. C'est ça? Je crois pas. Hein. Je crois que c'est pas elle. Ouais, oh, je crois elle que c'est pas elle. Oh, oh, il est pas poli son t-shirt. Attends, attends, il est ah non, c'est Fuck Bing. Non, attends, c'est... non, attends, j'ai trop de mémoire de fou. C'est, à mon avis, un chanteur de variété. Oh. Oh. Ah oui. Comment ça, je le sais parce qu'il y a un vaisseau sur Star Citizen qui porte son nom. Énorme. Je l'ai. C'est un chien. Moi, je vais dire ça. Il s'agit... Je crois pas, Antoine, hein, franchement. Du requin mandatory. Oh non, Antoine, il va flex. Est-ce que c'est ça? C'est quoi la capitale? Bah, je vais juste écrire la bonne capitale, en fait, tout simplement. Flex, ça va donner la surprise. Pourquoi j'ai plus là, ça? Bratislava. C'est ça. Là, c'est mais dans un truc. Non, si on n'était pas en live, je tenterais comme... un truc, mais vu qu'on est en live, j'écris, je sais pas. C'est pas du tout ça. Je suis en train de me tromper comme une boloche, je crois. Hop. Putain, c'était quoi? Moi, mes réponses, elles changent que je suis en live ou pas. Oh, putain, en plus, on m'a invité. Et vous avez vu qu'on dirait qu'elle avait les jambes en l'air? Radical Edward, si tu m'en regardes, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est la nuit. Oh, attendez, le chat. C'est la nuit. Ah oui, il faut que tu changes ton éclairage, c'est ça? Ouais, ça y est, je peux enfin. Oh, putain. C'est quoi le truc que t'as tenté, Zera, là, que t'as mis sur Twitter là? Ou sur Thread, je sais plus. Machine à fumer. Oh. Nixon. Richard. Richard Nixon. Ça dégoûte. La Terre. Oh, c'est ça ou c'est ça? Je vais dire. J'hésite ça, entre moi, deux. Parce que dans Star Citizen, y a... Non, elle est pas dans Star Citizen, la planète en question. En fait, elle va dans Star Citizen. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je crois. Ah, bien sûr. Robert De Niro. Ah ouais. C'est vous, Clovis Cornillac, bien sûr. Je me rappelle plus de son nom. Dommage. Oh, mais putain. Cyprien, le youtubeur. Ouais, je sais. Your breathtaking et tout. T'inquiète, j'ai tout. Hein. Mon cerveau marche plus. Non, non, mais c'est. Je m'en souviens. Ah, plus. J'ai plus son nom, ça me fait ouais, chier. Pareil. Alors, vous êtes sérieux? Bah ouais. Oui, ah merde, ça, en ouais même temps. Je confonds les gens. Oh, bah là. Ça, MV. Oui. Il s'agit de Lionel Messi qui arrive au Barça. J'écris Lionel Messi. Moi aussi, j'écris Lionel Messi. Car il est au Barça et c'est le seul joueur du Barça. Je vais mettre des majuscules à Lionel Messi quand même, un peu de respect. Ah. Ah, il s'agit de Lionel Messi. Ça s'écrit comme ça? Non, je sais plus. Non, ça s'écrit. J'ai vu comment ça s'écrit. Comme ça. Ouais. Attention à l'orthographe! Ouais, il y a un truc. Je sais plus comment ça s'écrit. Moi, je crois que ça s'écrit comme ça. Ouais, je sais plus. J'aime pas trop les tableaux, moi. C'est pas un tableau, c'est une fresque. Allez hop là. Oh. Ça s'écrit comme ça. C'est quoi l'orthographe? T'as mais bien niqué. Ah le. Non. Le ça. Les ça, drapeaux. Non. Ah, les putain drapeaux. Alors, ce n'est techniquement pas le nom du drapeau de l'Angleterre, mais celui du Royaume-Uni. Mais bref. Oui, c'est vrai. Allez hop là. Ah, je sais c'est plus. Ah. Le machin. C'est un truc comme ça. Je sais plus. C'est le quoi machin truc Jack. Je sais plus. Hein? What? Silence en 2017. Il s'agit de Lionel Messi. Hop. Tu l'as, Antoine, j'espère. Non. Oh, je peux ah, ok, si tu dis ça, c'est que c'est lui.
Non, non, c'est pas... Ok, non, c'est pas lui. Merde. Ah, le Union Jack, c'était ça, putain. Ah, oui, c'était oui. Le Union Jack. Non, je sais pas. J'ai mis le Big Johnson, moi. Moi, j'ai mis le truc Jack. Le Big Johnson. Sors ça. Le Big Johnson. C'est celle en bas à droite. Oui, le tableau préféré d'étoiles, le baiser de Van Gogh. Je vous mets une patate si vous mettez celui d'en bas à droite. C'est marrant parce que j'en ai aucune idée, mais je vais tenter avec ce que je pense qu'est Vincent Van Gogh. Pareil. Je pense aussi. Vous savez que quand on a fait un arbre généalogique, on a retrouvé qu'il y avait peut-être une filiation avec Van Gogh. Ah ouais ? Ah ouais ? Genre très très loin, mais c'est ma grand-mère qui m'avait dit ça, mais on n'a jamais su si c'était vrai. Ah ouais ? C'est pas vrai. Attends. Alors. Non. Non, c'est qu'il aurait baisé une servante ou comme ça. Bref. Ah comment ça ? Van Gogh n'aurait jamais fait ça. Où c'est ? Van Gogh n'aurait jamais baisé une servante ? Fils, non, le bâtard vrai. De Van Gogh. Ah. Oh, je suis mort. Oh putain, excuse-moi, Klemovic. Klemovic, j'en sueur. Victor en PLS. Aïe aïe aïe. Bah pour moi c'est plus ou moins ça la ouais. Oui bon non, on a compris Rayou, c'est bon. Attends, je sais pas. Ok. Ah. Hein. Ok. T'as complètement ça. C'est bon. Item. Eh oui. Ah ouais c'est bon, j'ai juste alors vu qu'il a dit ça. Oui, ah non merde, faut mettre les trois. Oh merde. Bah oui, c'était marqué. Non, il faut mettre les trois. Il faut relire la consigne, monsieur Ferrato. Ah c'est facile, il faut plisser les yeux et on voit tout de suite qui c'est. Si on plisse les yeux. Ah, c'est vrai que ça marche en plus. Bah oui, ça marche. Ouais. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ça défloute un tantinet. Ben oui. Hein, ça te donne l'air con aussi. POV, tu es myope comme moi. POV, le premier samedi du mois sur Canal. Mais non, facile aujourd'hui, je trouve. Ah ouais, de fou. Je crois que j'ai eu que 5 bonnes réponses depuis le début. Ah ouais. Parce que tu l'as celle-là, mon gars. Dans celle d'avant et celle-là. On s'en fout, hein. Mais par contre, le mec qui joue dans Death Stranding, là, j'en peux plus. Mais il joue pas dans Death Stranding. Non, mais. Non, mais il joue dans Cyberpunk. Il joue dans Cyberpunk. Ah oui. Death Stranding, c'est Cyberpunk. C'est Keanu Reeves, les gens. Ah oui, c'est vrai, Keanu. Et en fait, j'arrivais pas à le. You're breathtaking. En plus, tu l'as dit. Ça veut dire quoi, ça ? You're breathtaking ? Quoi ? Quel terme ? Non, la question ! C'est ça ? Putain, je sais pas. Genre c'est ça. Je ne comprends pas. Encore Vat ? Antoine ? Je sais. On dit ? C'est ça ? C'est Street View sur jeu, qu'est-ce que ça ? Ah ouais ? C'est pas un indice. Ça veut dire que c'est sur ça, la Terre. Je crois que je fais une connerie. Bien joué ! Oh, c'est pas vrai ! Encore Vat ! Le caoutchouc est un bon conducteur d'électricité. Et alors ? J'écris. On nous demande pas. Je sais pas. Bah ça, c'est un vrai ou faux. Oui oui mais je sais pas. Merci Rayou. Je sais pas. Merci de m'aider. Bro. Désolé les bros. Pas. Oh non Nick. Oh non. Une chance sur deux, c'est un vrai ou faux. Hein. Et bah moi en fait, vas-y Rayou. En fait c'est facile de le savoir parce que si vous additionnez tout, et bien en fait. Et oui. Non, c'est. Ah, putain, mais calme-toi! Ah, excusez-moi! Oh, je veux pas que ça fasse. J'en sais rien. Sur le clavier, le micro! Excusez-moi, me détestez pas, ok? Oh! Il s'agit MV. De. MV! J'en ai aucune idée. MV! Oh merde! Aïe. Ah! C'est pas ça? MV. C'est lui, je pense. Je sais pas. C'est sûr. Je sais pas. Ah, mettez-moi des basketteurs encore, je vous en supplie. Ah! Du plus ancien au plus récent! Ça va. Ouais, c'est ça. Mais du coup, le plus ancien, le 1, c'est le plus ancien? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que. Je dirais ça. Je dirais ça? Ouais, je dirais ça. Hein. Ça doit être ça, mais j'hésite entre ça et ça. Ah, je suis sûr. 1, 2, 3, 4. C'est du cinéma, mais. Dans la ligne verte, quel banger. Ouais. Bon, ces quatre films sont exceptionnels. Oui, c'est vrai. Gran Torino, c'est cool, mais j'ai pas trouvé ça si incroyable, j'avoue. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est en fait. Film, ouais, dans je trouvais ça ok. On va dire. Je fais ça. Mais après, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Vidéo Gran Torino. Ah, c'est lequel Ouais, c'est... Je confonds les deux tout le temps. Ah, putain. Eh ben. Mickey Mouse. On est pas mal. C'est Mickey. Il s'agit de Mini. Mickey Mouse. Dr. House. Ouais, c'est ça, envie de m'écouter un petit Christophe Honnête là. Non ah, j'ai pas l'image. J'ai pas l'image.
Mais y a on plus a jamais pas l'image. Les images. Eh bien, c'est parti pour le pif. Bonne chance à tous. Sur le pif. Elle fait 9 tours. Allez. Surprenant. C'est ma réponse et c'est la bonne. Je tente le play. Oh oui. Oh. Allez, régale-toi MV. De retour. Oh. Alors. Il suffisait de se plaindre et tu auras des costumes de basket. Je sais plus qui c'est. Un des plus grands. Je sais plus qui c'est. Même époque que Michael Jordan. Connais que Mike, je connais que Michael Jordan, c'est tout. Il avait, l'histoire autour du sida. Ah voilà, j'avais oublié ça. Ah oh, Magic Johnson. Putain, j'ai pas le temps. C'est ça. Ah bon. Ah oui, j'ai aucun, je connais rien au basket. C'est Magic Johnson. Attends, quoi? Hein? Oh. De quoi? Comment ça choisissait le bon mot? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, bien sûr. Un E ou un I, quoi, en gros. Ce sont les... Ah oui. La correction. Ce sont les Winx. Ah, ça bien joué. Ce que j'ai mis. Voilà, alors j'ai je sais plus si c'est celui pour les pétasses ou quoi, Florence, et c'est lequel? C'était pas pour les pétasses. C'est super, moi j'adorais. Winx Club. C'est le nom en anglais. Oui, ça marche. Ok, ok. Voilà. Allez. Finalement. Mais c'est pas, c'est les Winx pour les pétas, c'est les Witch qui sont pour les Fibiens, je sais plus. Les Fibiens. Non mais c'est Ultia qui dit ça, c'est Ultia. Oui, qui... Ah bon, elle dit ça tout, hein. Elle a parfois tort. Bon, Spice Girl, je suis désolé. C'est ça, donc c'est bien ça, c'est bien ça. Ça suffit le. C'est la cinquième génération Feuillajou. Let's go. Vas-y, t'avais vu le visage. Ah, c'est cinquième, je dis quatrième. Moi aussi, je dis quatrième. Diamant et Perle perdu. Je pensais que c'était quatrième. 4 perdu. 4 perdu. 3ème perdu. 5, c'est bien joué ça. Sublime. Il faut que j'enlève le montant de lit, excusez-moi. Sublime, il avait dit. Très bien joué. C'est Sharapova, tout à fait. Je n'ai aucune idée de qui c'est. André Agassi, c'est dans. Sharapova, oui, oui. Je l'ai pas reconnu. Ah ouais. Et oui. Joueuse tennis. Joueuse tennis qui se nomme Ska. Oh, la réponse de débile. Putain, les amis, cette game est... Du tennis woman, probablement. C'est Busta Flex, putain. Ah, putain. Ok. Pas la réponse de JDG, en tout cas, effectivement. Busta Flex, bonne réponse. Un rappeur... Eh ben, pourtant, il a raison. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bon, ça contrairement à moi, ce n'est pas d'ici. Un chanteur de variété est une mauvaise réponse. Je tenterai rien, sinon on va se moquer de moi. Non. C'est un requin marteau, vu la taille la forme caractéristique de sa tête, tout à fait. La tête. Gagné. Requin marteau, bien joué. Bonne réponse. What the fuck? Ah oui, je confirmé. Putain, la Pologne. Pas tenté, let's go. Mais oui, putain, Varsovie. Sofia, c'est la Bulgarie, non? Oui, Sofia, c'est la Bulgarie. Mais ça me revenait pas. Aïe aïe aïe, t'as commencé pas. Hein. Varsovie, tout à fait, la capitale de la Pologne. Absolument. Ah non, finalement, je suis dans la merde, c'est les questions qui valent des points. Ça. Ah là là. C'est Starbucks. Évidemment. Bah ça, j'en ai vu à New York. Hop là. Partout. Un petit scone blueberry. Le président américain qui était George président entre 2001 et 2009, c'est George W. Bush. J'ai envie même de dire que c'est George W. Bush Junior, mais bon. Iraq. C'est vrai. George Bush. C'est George Bush Junior ou George W. Bush? Oui, George W. Bush, oui. Parce que... George W. Bush, c'est forcément le fils. Oui, c'est forcément le fils. Tout à fait, sinon c'est George Bush, juste. Tout à fait. C'est fou, ils ont eu deux présidents des États-Unis dans la même famille. Exactement. W. Bush, tu me réponds. Oh merde! Ah, c'était ça, Léo. Je me suis fait baiser. Putain, j'ai plein de bonnes réponses. Ah, oh putain, mais t'as faux à cette réponse. Mais non, j'ai faux, j'hésitais entre ça et Griche, DG. Griche, DG. J'ai pas encore mis ça sur Star Citizen, mais ça va bientôt arriver, t'inquiète pas. Mais parce que le système est pas dans le jeu encore. Ah bah ouais. J'ai mis Jupiter aussi. Ah putain, je suis trop dans la merde. Oui, comme les Kennedy, vous avez raison, cela dit. Je suis trompé. Mais non, Kennedy, il y a eu qu'un seul président américain Kennedy. Non, mais ils ont beaucoup gratté. Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup de son frère là, comment il s'appelle, le frère de Kennedy. C'est Ted Kennedy, non? Ted Kennedy qui a postulé, qui était sénateur. Oui, voilà, ils ont, ils y avaient quand même eu des. Oh, Rayou qui l'a pas eu. Ils ont pas eu genre deux mecs assassinés les Kennedy? Il y a eu même un qui est mort dans un crash d'avion. Il y en a, ouais, c'est une catastrophe. Oui, il y a une malédiction. Comment j'ai pu oublier? Tu l'as pas eu, Florence? Ouais, putain, Keanu Reeves! C'est un gros trou. C'est trop dur en 20 secondes. Et moi, je n'arrive jamais à me rappeler de son nom alors que je me rappelle du tout, de tout ce qu'il fait. Oh, oui! Johan Cruyff. Cruyff. Oui!
Bien joué, oh, vous êtes chaud. Rayou, bravo. C'est quelle décennie, ça? Cantona, je sais pas. C'est même avant que je vivais. Ça, c'est début 80, je crois. Ouais, c'est 70, début 80. Mais si. La scène, tout à fait, désolé. Voilà. Bon, on va... l'orthographe ne compte pas, on dit c'est bon. Je me disais bien que c'était de la merde, mais... Cool, j'ai mis les trois. La scène. La scène. La scène, allez. La scène, la scène, la scène, la scène, Mathieu Chédid, bien joué. Bien sûr, bien c'est l'Union Jack. Oh, je suis dégoûté. Alors, alors effectivement, j'ai envie de dire après vérification que normalement le drapeau... Oui, mais je suis d'accord. C'est pas le Union Jack, c'est la croix de Saint-Georges. Oui, je suis d'accord avec toi en vrai. Ah, merci. Je suis d'accord avec toi, mais on a compris. Le Royaume-Uni, c'est ça, le Union Jack? Oui, c'est le Royaume-Uni, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Johnson, bien sûr. Le truc Jack, hélas. Aïe, aïe, aïe. Dégoûté. Oh, c'est Marshmello. Ah ouais, je les avais oubliés. Actually. C'est un mec. Sofiane Pamar. Ah, c'était Pamar. Pamar. En fait, j'ai vu proposer, je suis, ça peut être un musicien. Oh, t'as vu Nekfeu. Bah ouais, tu sais. T'as raison, mec. Ah oui. Putain. Marshmello. Ouais, c'est bien évidemment la A qui a été faite par Vincent Van Gogh. Le couteau. Ouais, ça va, ça va. Évidemment. Le B, c'est qui? Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est vrai que le B, c'est moi. Le chat, ça va. Le D, c'est qui, Rayou? Le B, c'est Gustav Klimt. Le C, c'est l'autre, là, avec la moustache, là. Dali. C'est le Salvador Dali. Et le B, c'est... Le B, j'ai pas. Comment il s'appelle, le D? Ah, c'est Frida Kahlo. Le B, c'est qui? C'est Frida Kahlo, la B. Frida Kahlo, ok. Ouais. B, c'est Frida Kahlo, ok. Les gens disent le C, c'est une IA ou quoi? C'est vrai que... Non, mais ça, c'est... C'est l'ordre d'une IA, Dali, c'est pas pour rien. C'est 132 ce chiffre romain. Oui, putain, ah, j'ai pas eu le temps de compter. Bien joué. Je suis en train de dire de la merde. Tout à fait. Alors que c'est L et D, 50 et 500. Aïe, aïe, aïe. J'ai pété 132. Les trucs, n'importe quoi. Super. Oui. C'est 100, évidemment. Je suis en train de dire de la merde. C'est une question qui ne requiert pas de réponse. Une question. Ah, hélas, voilà, ce n'est pas correct. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais c'est... Oh, c'est merde. Pas correct, hélas. C'est une question où il n'y a pas vraiment de réponse, mais qui doit faire réagir pendant un discours. Oui, généralement. Oui. Bon, allez, on va dire que c'est ok. Ah, moi, j'ai pas écrit ça. Est-ce que vous allez me le compter? Le fait de poser une question dont on connaît un peu déjà la réponse. Moi, j'ai un peu écrit allez, ça. Je suis dernier. Je suis un peu d'accord avec ça aussi. Pour moi, c'est... Ah ouais? Ah, c'est bon, alors je pense. Non, mais moi, si on accepte ça, la mienne est bonne, je pense. On me dit que déjà c'est faux. Je sais pas, moi. Moi, ça me l'air correct. Ah, mais c'est parce que c'est des rageux. C'est des rageux. Tu la connais déjà la réponse. Allez, on dit c'est bon. Tu allez, allez. C'est une question à un point. C'est une question qui ne demande pas vraiment de réponse. Pour moi, c'est bon, ça. Oui. Une question qui n'appelle pas de réponse. On le fait en stream beaucoup, tout à fait. Une question qu'on pose alors qu'on a la réponse. Bon, allez, on vous... Allez, allez, soyez pas des rageux, le chat, on compte. Merci, merci. Conjuguer en anglais le verbe irrégulier brisé. C'est to break, broke, broken. To break, broke, broken. C'est bon. Break, broke, broken. C'est to break, étoile, mais bon, bref. Okay. Ouais, tu peux me le voir. To break, broke, broken. Ah, j'ai To break, broke, broken. Broke. Non. Ah. Hélas. Les gars. Ah non, 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 bro. Non, mais vraiment pas, vraiment. Ah oui, ok. Mais je tombe totalement beau. Il s'agit de Barack Obama, tout à fait. Je t'ai passé un message. C'est Barack Obama. Ah, briser, c'est tout shatter. On me dit. Hein? Briser, c'est tout shatter, mais je suis pas sûr. Oui, shatter, c'est briller. Oui, j'y pensais aussi, mais c'était impossible que ça soit ça, quitte mettre. Mais... Oui, je pense. En plus, il est pas irrégulier, shatter. Ouais, c'est pas irrégulier. Shattered. C'est un ornithorynque, tout à fait. C'est bien que j'avais pas l'orthographe. Ah, ornitho. Okay, attends. Il n'y a pas un seul qui a la bonne orthographe. Si. Oh, le pas du tout. Non. Je l'ai fait corriger. Oh non, j'ai mis le Y en premier. C'est grave, c'est mimes, c'est mais ça fait des grosses griffes. Je suis en train de regarder, effectivement, sur le Wikipédia, pour Jupiter, il y a marqué 95 satellites confirmés contre 83 pour Saturne. Ça a été changé, non? Je crois que... Après, ça change. Je pense qu'elle a acheté des nouveaux satellites depuis, je pense. Que dit James Webb? Ouais. Donc moi, dans le doute, personnellement, dans le doute, je me mettrai des points, quand même. Ouais. Mais c'était combien de points, la question? 2. Bah, 4, 5. Moi j'avais mis Jupiter aussi, hein. Dommage. Moi j'avais mis Jupiter aussi, je tiens à dire. En vrai, dommage, hein. Ah non. On dit attends, satellite ou lune? C'est ça qu'on me demande le chat. C'est les lunes. Oui, c'est les lunes. The moons. The moons. C'est pas pareil. C'est un satellite et une lune. J'en ai aucune idée, Florence, mais apparemment c'est la taille, voilà. C'est la taille qui compte? C'est la taille qui compte, apparemment, dans ce. D'accord, ok, c'est la taille qui compte. Très bien. On me dit c'est pareil. Bon, bah merde! Je ne sais pas quoi vous dire. Je pensais que c'était la taille. My bad. Oh!
Que j'allais me faire moi, je tiens à dire, j'avais mis Jupiter aussi. Hein. Bon, écoute, je sais pas. C'est la décapitation, la séparation du tête et du corps. Ah ouais. Au début, j'ai mis j'ai le cou. Rien compris à la question. Au début, j'ai mis le cou. Ah oui, bah, mais j'ai failli dire ça au début. J'ai mis un truc méta. Oh, waouh! Quel goût! Waouh! J'ai pas compris la question, j'étais en mode, mais comment ça la séparation? Tous les satellites ne sont pas des lunes, nom de Dieu, dit Test Chan 1. Lune égale satellite naturel, satellite peut être artificiel. Non, mais d'accord, mais Jupiter n'a pas non plus, enfin, je veux dire, c'est. Je suis trop un poète, putain. Mais là, c'est pas bon. C'est le Cambodge encore, Vat. Tout à fait. Mais oui, putain. J'ai tapé Thaïlande et je me disais non, j'ai faux. Moi aussi, j'ai mis Thaïlande. Et oui, tout à fait. Il est même sur le drapeau du pays, tout à fait, absolument. Et c'est une question que j'ai ratée. Il le lit et il dit tout à fait, mais quelle merde. Il a lu sa réponse, il a dit tout à fait, c'est tout à fait. J'ai très très raison, quoi. C'est tout à fait exact, Antoine. C'est bien joué là-dessus. Oh, et là, c'est pas bon, Florence. C'est pas le Vietnam, il a Thaïlande, Zerator, hélas, dommage. C'est faux. Le caoutchouc n'est pas un bon conducteur d'électricité. Et oui, c'est pour ça qu'il y en a sur mais les ciseaux. Bien sûr, c'est un isolant. Le caoutchouc, je le connais pas, qu'elle n'est pas humain, c'est bizarre. Enfin, tout à fait, pour moi c'est bon. Non, c'est un isolant. C'est faux, effectivement. Faux, c'est un isolant, bien joué. C'est faux, bien sûr, bien joué à tous. Est-ce que c'est divisible par 3, 6531, c'est oui. Si, il faut additionner les différents chiffres, ça fait 15 et 15, il est divisible par 3 en fait. Donc ça veut dire oui, je suppose. Oui. Désolé. Ça veut dire oui, c'est ça. Bien joué là-dessus, c'est vrai, oui, tout à fait. Non, Florence, enfin, c'était évident pourtant. What the fuck, Florence, t'es si bête, quoi. C'est James Harden. Ah ouais. James Harden, tout à fait. James Harden, Kobe Bryant. Le bœuf de Kobe. Kobe Bryant. Le bœuf de Kobe Bryant. Claudien Max Tumpong, ce n'est pas une bonne réponse, hélas. Ce n'est pas lui, hélas. En vrai, presque. Il s'agit de Shaquille LeBron James Jordan, ce n'est pas bon également, non? Non, ce n'est pas lui. LeBron James n'est pas bon. Jamais. Non. Donc c'est Forrest Gump, la ligne verte, Grand Torino et Inception. Putain, juste au début. Bonne réponse Mister MV, bonne réponse Rayou, pas bon JDG, c'est bon pour moi. J'avais bon au début, c'est j'ai bon pour Florence, c'est pas bon pour Zerator. Fuck Grand Turismo. Il s'agit de Jerry, du dessin animé Tom et Jerry. Tom et Jerry. J'ai failli répondre Tom, franchement. Jerry. Antoine, t'as fait un perfect, non? Non, c'est une cata. Non, c'est pas une cata. Alors qu'il va arriver de... Je pense que t'es premier de 5 ou 6 points, là, genre vraiment. Non, les basketteurs, là, c'est mort. Ouais, mais c'était un point, les basketteurs. C'était un point. Je crois qu'il avait 3 points, les basketteurs. Bon, attends, on va voir. Jerry, de Tom et Jerry, est une bonne réponse. Oh, le GOAT! Tu mets faux à tout le monde, là tu mets faux à tout le monde. Mais non, je mets pas faux. C'est la question du pif. Je suis le GOAT. Non, bah non, justement. La chance fait partie du ski. Mais oui, je suis d'accord avec JDG. Ok. Je me suis dit, vu que c'est un point, ça peut être divisé par deux. Non mais t'as raison, il a été malin. Magic Johnson, tout à fait. Bah Rayou l'avait pas. Bah non. Kobe Bryant, le retour. Décidément, voilà. Après, ce n'est pas lui. Morien Olive Arthur n'est pas une bonne réponse non plus. LeBron James, toujours pas, non. Et mais pourtant... Mais là, c'est pas bon. Shaquille LeBron, Jordan, James Parker. Dommage, aucun n'est bon là-dedans. J'avais rajouté Parker. Magic Johnson. C'est habilité la phrase de plus seules les personnes touchant un revenu annuel minimal de $300 sont habilitées. Habilité, tu demandes réponse. Habilité. Oui. Le niveau de la game est fort. Alors du coup, Antoine, il est très bien, je pense. Ces histoires de Jupiter là. Non, c'est bon. Non, bah c'est les lunes. Satellite artificiel versus naturel. Je pense que ça se joue à deux points. MV avait faux au dernier. Comment ça? Quoi? Non. Mais non, c'est juste que j'avais pas mis le S. Ah oui, t'as pas mis le S. Non, mais ça, on s'en fout. Non, c'était entre les deux. Peu importe. C'est pas sur ça qu'on questionnait. C'était, c'était entre le I, le I ou le E. Oh, le chat no fun là. Je pense que je suis dernier. Mais gros level. Personne. Moi, je suis pour. Revenu annuel de 300 balles, c'est chaud quand même. Tu sais quoi? Revenu annuel de 300 balles, ouais. C'est Antoine de 2 points. Moi, je dis, on touche à rien. Faut que j'en fasse du géogasseur. Ouais, on touche à rien. Tu veux faire du géogasseur, MV? Allez, let's go.
Allez, vas-y, on touche à rien. On me dit, mais bon, bref. Les résultats sont Zerator, 25 points. JDG, 28 points. Florence, 31 points. Mister MV, 35 points. Antoine, 37 points. Étoile, 44. Et bah voilà. Le classique. Non, non, mais frère, non, mais c'est. Mais c'était sûr. C'est Bustaflex. Mais Bustaflex, t'as pas rapporté 6 points, mec. Pas 7 points, même. Putain, ça alors, Rayo, t'as gagné, mec. Mais c'est impressionnant, c'est fou, hein. Qui incroyable. A dit c'est une cata. Bref. Bah, c'est une cata parce que je suis pas premier, quoi. Ta gueule. Bah alors. Bon, moi je me casse. Bonne nuit, tout le monde. Salut, JDG. Salut, dormez bien. À la prochaine. Moi aussi, dors bien, mec. Oh putain, j'ai vraiment aucune culture, quoi. Incroyable. Je pense que c'est juste que tu n'oses pas écrire les trucs plus que tu n'en as. Très souvent, j'ose pas écrire. C'est plus ça, en fait. T'as plus peur de passer pour ridicule, mais tu ne l'es pas, on s'en fout. Non mais ouais, mais je sais pas, mais ça a toujours été le cas dans les quiz, même hors live et tout, c'est même pas une question du live pour le coup. J'ai beaucoup de mal à affirmer les réponses. Ah, moi c'est les sportifs et les acteurs qui me sauvent. Affirmer les réponses, ça touche à la culture G ou de manière générale. Non, de la culture G surtout, j'avoue. D'accord. Tous les quiz de culture G, j'ai toujours ce problème où il y a plein de fois où je suis en mode « Ah, je savais », tu vois. Ouais, bah c'est dur d'affirmer que t'as une bonne réponse à un truc qui... Et il ne faut évidemment pas confondre la culture et l'intelligence, bien sûr. Ça n'a rien à voir, bande de merde. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai qu'un des deux, par exemple. Antoine est deuxième, et pourtant... Bon, Quels sont l'intelligence, ça existe pas vraiment. L'intelligence. T'as différents types d'intelligence, comme t'as différents types de profs, quoi. C'est vrai qu'Antoine, c'est quand même félicité. On s'est auto-félicité tout à l'heure. Ça, c'était incroyable. En même temps, il y avait de quoi féliciter tout de même. C'est une remarque très pertinente le fait qu'en corvette soit sur le drapeau, hein, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai que c'était très bien joué. C'est ce que tu as dit d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est le petit sel, ça. Tu sais qu'Antoine, j'ai perdu le grand quiz de le stream sur cette question. Sur encore ? Ouais, sur encore sur le drapeau du Cambodge. J'avais oublié que c'était encore. Ça fait beaucoup là, non ? Oh ! Allez hop là ! Les mêmes. Encore. Bravo. Mais là, vous en faites une ? OMG. OMG. Bah si je crois pas. Vous voulez Vous avez la dire quand même. Non mais là, il y a plus Fred pour se battre contre moi. Non mais Zera, t'inquiète. C'est pas moi qui ai proposé. Est-ce que tu veux que je vire une catégorie? Je vais être bottom. Ah non, on vire rien. Je vais être bottom. Okay. Bon allez, vas-y, je vous cherche la room. Allez, on en fait une petite d'air. C'est Noël. Des sportifs. Allez, une petite d'air. Le poulet. C'est même pas moi qui ai forcé. Le poulet. J'ai rien dit en plus. Allez, je rentabilise ce sub chez Kameto, là. Hop là. Comme ça, je peux avoir les 5600 questions. Zera, si ça peut t'apaiser, quelqu'un dans mon chat dit ne pas affirmer ses réponses. C'est justement le contraire de ce que font les idiots, et c'est vrai. C'est vrai. C'est bon. Moi, par exemple... Je dois vraiment être super malin, alors. T'as mis Zerator le dernier, c'est ton pseudo, c'est ça? Exactement. Il manque qui, là? Il manque Florence, voilà. Zerator le D. Vous êtes prêts, messieurs, dames? Oui. Let's go. Eh bien, allons-y, alors. Quel est ce sport? Quoi? C'est parti! Quoi? Ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? C'est quoi, ça? Parce que ça, c'est... C'est pas ça, genre? On va tenter ça, parce que c'est pas du water polo, pour le coup. C'est le foot. J'ai jamais entendu parler, mais vas-y, hein. J'invente un terme, je pense. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Oh, ça suffit! Oh putain, oui. Je sais qui c'est. Oh, tu sais qui c'est, Zera. Il est en activité. Bah oui. Non, mais je me rappelle plus comment ça s'écrit. Il a fait un master kill. Il a fait un master kill, les amis. C'est vrai. Un truc comme ça? C'est ça, son nom? Je me rappelle plus. Ah zut. Ou alors c'est pas lui. Ah mais non, c'est pas lui. Oh non, je me suis trompé. Confondre si t'as parlé de... Donnez-bi. Oui, j'ai donné l'actuel. Ah oui. Deux chiffres après la virgule étoile. Ah, deux chiffres. Quel attention, sinon c'est faux. Attention, sinon... Il y a écrit deux chiffres après la virgule, il n'y a pas écrit trois. Attention, c'est après une virgule, pas après un point. Attention. Oh, j'ai mis un point, c'est bon. C'est pas une virgule. Ah, c'est le tableau D. C'est le baiser de Gustav Klimt. C'est le baisoir de Klimt. Francisco de Goya. Oh attends, j'ai un... C'est sûr. Par élimination, je veux dire ça. Oh j'ai un doute de fou. Là c'est par élimination, non? Sauf si on le sait. Effectivement. Oh j'ai un doute de fou, je vais me tromper, les gens vont me détester. What? Alors, franchement, je pense être pas trop mauvaise en expression un peu hasardeuse, et celle-ci je la connais pas.
Je vais Allez, on va dire que c'est ça. Avoir les mains pleines de pouces. C'est quoi, hein. Oh, le FF, cette game. Oh, le malaise. La game de trop. Oh. Putain, c'est merde. Qui, j'ai pas. J de Booba. Genre comme je ça. Je ne l'ai pas. C'est sûr, c'est lui. Je ne l'ai pas non plus. C'est un rappeur qui vient du Havre, les amis. Un chanteur de variété, je pense. Ah ouais, c'est... J'ai les deux. Putain. Ouah, le... j'ai trop de culture sportive, les gars. Tout simplement le GOAT. Lequel, celui du haut ou celui du bas? Celui du bas. Je vais chez lui demain. Ah oui, ah c'est ouais vrai. Quoi, c'est ah oui, c'est vrai. Tu sais, j'étais là. Attends, comment ça, chez lui demain? Oui, oui, oui. Quoi? C'est quoi cette question? Eh, c'est super facile. Attendez, je te recommande l'appel à un ami. Oh, c'est super simple. On va faire le diamètre idéal de la pizza napolitaine. Putain, mais il y a vraiment... Ah ouais? Mamma mia. Mamma mia. Ah si. Oh putain, je crois que je l'ai. C'est DJ... Ah non, c'est l'inverse. C'est DJ machin. Basket, là. Comment il s'appelle déjà? J'avoue, le basket, on est gâté. Il y a beaucoup de basket, par contre. Ah ouais, il y en a beaucoup. Comment il s'appelle déjà, le très grand... si. Snamètre. Oui, c'est lui. C'est lui. Tu as les mains plus grandes que tout le monde. Big. Oui, je l'ai, je l'ai. C'est bon. Oh, mais putain, mais le basket, là. Mais le basket, j'avoue. Attends, putain, non. Et même moi je le sais plus. Attends, ils sont combien les Spurs? Parce qu'ils sont derniers, j'ai regardé le classement et du coup ça veut dire que c'est. Je veux dire ça. Est-ce qu'ils en ont rajouté? Ils en bah ont... ouais, est-ce que c'est ça? Oh, je sais plus. C'est pas du voilà, tout. C'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est moins que ça, j'ai pété les plombs. Oh putain. Attends. Non, mais il y a tellement de sportifs là. Oh, on le reconnaît pas. Mais attends, c'est lui, lui. Ouais, c'est lui, hein. Mais on le reconnaît mal. Mais non, c'est pas, c'est pas possible que ce soit lui. Bah, vu le maillot. Vu. Bah, si c'est lui, je pense, non? C'est toi, mec? Je reconnais pas sa tête. Lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Je me On le reconnaît mal. C'est sûr. Oh, c'est pas grave, hein. J'ai quand même mis lui. Hein. Attention, oh, c'est une soustraction. Hein. Non, c'est pas vrai. Bah non. Je vais écrire ça. Non, j'en sais rien. Non, c'est bien avant. C'est le. La. Les. Non, les. Je sais pas oh oui. Ah ouais, alors lui. Oh, mais non, ça vient de me revenir, je suis trop bête. Lui, c'est... Ah, oh, lui, je sais. Je connais son nom, lui. Enfin, j'ai connu. C'est ça, son blas, son prénom. Oh, peu importe. Attends, je me suis trompé. Bah, je sais pas. Ouais. Je sais pas, je me rappelle pas. Tu les insertes. Oh, bah, je sais pas, je peux mon code. Oh, ça devrait aller, quand même. Ah bah, oui, je l'ai. Oh, c'est une catastrophe. C'était qui, le footballeur, avant? Harry Kane. Ah non, ouais, Kane, dépend. Putain ouais. Non mais non mais... Ah parce que là ça qui... C'était pas. Kane oh, ouais, buteur. En tout cas, même si c'est pas ça, moi je fais ça. Voilà. Je passerai le code, je passerai le code là-bas plus tard. Hein. Ah c'est priorité à droite pour la team. Tout à fait, fallait s'arrêter. Okay. Oh oui. Oh je l'ai la team. Bravo. Oh, oh mamma mia. Oh j'ai fait... Oh, oh les amis, j'ai... Oh, j'ai écrit une dinguerie. Oh j'ai... Oh là là, mon chat devait être en train de se mettre des patates. Oui, justement, c'est dangereux. Oh, oh. Ils veulent dire les gentilets, c'est ça? Oui. Oui. Les... Comme ça. Ah, c'est dur à écrire, hein. Je crois bien que c'est ça, hein. Je crois bien que c'est ça, hein. Complètement ça, je pense, hein. Je crois bien que c'est ça, hein. Ah, mais je l'ai peut-être écrit hein, comme un con. Oh, je connais pas. Yes. Je les ai tous vus, mais je. Quoi, vous les avez tous vus? Oh, j'ai tous vus moi. Ouais, moi, je les ai tous vus aussi. C'est une semaine. Oui, c'est celui-là. J'ai tous regardé. Je crois bien que c'est celui-là. Vous êtes des légendes, moi, j'en ai pas vu. Je t'ai pas vu, Pogno. Pour moi, c'est. Ouais, je l'ai. Vas-y au pif, c'est parti. Oh, je sais pas. Vas-y. Mais je sais pas, Bitel. Je suis désolé, mec. Mais je me déteste pas. Regarde, je connais les Pokémon. T'aimes bien toi les Pokémon? Regarde, c'est bien. T'aimes bien ça? Le type luxe. Tout à fait. Bah en vrai. C'est ça. Ah merde. C'est écrit au hasard luxe. Bah en vrai. Qui est-ce? Je sais pas. C'est. Non, c'est pas. C'est.
Ah, peut-être qu'on était yeux en vrai. Bah ouais. En fait, Alain Souchon. Putain, c'est la vanne que j'ai fait. Vous savez qui c'est? Je l'ai pas. J'ai mis un truc moi, mais je sais pas si c'est ça. Si, oh, je le sais, je sais qui c'était. Oh. Mais je me suis gouré. Ah tout ouais, ça. Je crois que c'est. Ouais, tout c'est ça. Lui hein. C'est lui Rayou hein. J'espère que tu te trompes pas, sinon je te mets une patate. Ah ok, donc c'est bien lui. Donc c'est bien lui. Donc c'est lui. Je pense c'est lui, je pense c'est lui. Putain. Devant, comme on dit, devant le canon tu bandes mou. Dis-moi tu baises qui. Oui. Okay. Je vois. Oh là là, c'est catastrophique. Elle est pas facile cette série hein. Ce que j'ai fait. Ouais, franchement c'est vraiment. J'ai l'impression que j'ai plus de points qu'à celle d'avant. C'est un chêne. Je sais pas, j'en sais rien. Bah non, oh. En fait, t'es pas très fort en botanique. Hein. Je suis très nul. C'est pas un chêne, mec. T'es un tilleul. Oh, ok. Hein Oh putain, je l'ai. Oh non. Oh sa mère, bon de merde. Oh putain. Oh putain, je l'ai. Oh putain. Oh putain. Oh oh con. Sébastien. Oh c'est imperdable. Ça va. La gueule. C'est pas quoi, on peut pas savoir. Alors, je n'ai pas vu ce film. Oh, c'est ça. Mais il y en a deux que j'ai vu. Ce ne sont que des Wes Anderson. Deux que j'ai vu, donc je fais par élimination. Non, c'est sûr que c'est celui-là, je crois. Ah, je vais dire ça. Je crois que c'est ça. Non, pas du tout. Oh, incroyable. Oh ah oui, putain, j'ai failli me pas me rappeler. Oh. Je sais pas comment ça s'écrit. C'est une catastrophe. Je double toutes les lettres dans le doute. Je sais pas qui c'est. Ah. Tant pis. Oh non. Donc j'imagine. Putain, j'en ai le plus grand trompettiste. En fait. Tout à fait. El Mundo. Ou alors c'est l'autre. Il y en a deux. Ah oui, je vois. Mais l'autre, enfin, si tu penses à l'autre, l'autre a un physique vraiment très atypique, différent. Ouais, bah je connais pas. Bah, ils sont ça. Quoi ? Pip, pip, pip. C'est ça. Hein. Ils sont au RH, il me semble. Je crois que c'est ça. Ils sont à la compta, je crois. Ça dépend dans quel. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais pas. Ouais, ça me fait rire à ce point. Oh ! Alors, actually. Elle n'a pas vraiment été découverte Ça va être la standard. Ça va être la populaire. Oui, c'est la populaire. C'est la populaire, mes amis. Celle que croit tout le monde. Putain, je me suis trompé sur le trompettiste, j'ai le démon. Oh mon dieu, vraiment. C'était Miles ou Louis ? Oh, MV il triche, il y était il y a pas longtemps. Ça va être trop facile pour lui, alors pour nous ça va être dur. On va annuler la question, je pense. C'était Louis. Ah ouais ? Oh cool. Ouais. Louis Armstrong, tout à fait. Mais en vrai, c'est Miles le plus grand trompettiste. Bah, bon, ça dépend, il y en a plein qui sont considérés comme étant des très grands. Non, c'est Miles, c'est Miles. Comment je définis ça ? Ah oui, bah comment Louis ? Les... Bah, est-ce qu'on peut donner un exemple ? Je vais juste mettre ça. Bah, je sais pas. Je pense qu'ils veulent juste ça, en vrai. Comme réponse. Je me rappelle plus. Ça rien. C'est ça ? Je sais même pas ce que ça veut dire, donc je mets une définition qui est foireuse. Attends, quoi ? C'est lui ? Oui ! Non, c'est pas lui. Il me dit un truc, sa tête me dit un truc de fou. Non mais, je trouve qu'il ressemble... Je vais être ça, il ressemble ça. À ça. Non mais, on est bien d'accord ? Mais c'est lui ? Attends, est-ce que c'est vraiment lui ou pas, là ? Comment ? Parce que... Attends, on est d'accord, c'était Zach Nani ? Oui, c'est Zach Nani. Oh putain, voilà, c'est ça. J'ai mis Zach Nani aussi ! Oui, c'était Zach Nani, c'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment lui, hein. Pour moi, le water polo, c'était le genre skip de volet. C'est OK subaquatique ! Mais c'est ça le... Ah, ouais, ah oui c'est putain. Ça, ok subaquatique. Ah ouais mais moi j'ai mis... Oh c'est presque... Et moi j'ai mis... Moi aussi pareil. Water ok. Alors non désolé. Attends je regarde le terme en anglais tout de même. Non mais c'est bon. Water ok. Mais c'est la même chose. Comment ça s'appelle le ok subaquatique en anglais? Vas-y. Non mais si on dit... Si on a mis le mot ok pour moi c'est bon non? Je sais pas hein. MV alors? Oh c'est bon non. Bah je peux pas ouvrir d'autres fenêtres. Ok vas-y je te le mets. Si c'est bon vas-y c'est bon. Oui. Le squash c'est pas bon. Ok le... Oh, bon ça par contre je suis désolé. C'est du hockey de piscine. Ils sont vraiment dans une piscine quand même. Ils sont pas dans un lac. Non mais c'est pas, c'est pas le nom du sport. Je veux dire tu dis pas je pratique le hockey de piscine. Au Québec en vrai.
Bon, bon, vas-y, je te le compte. Le hockey de par, PC. Par pure pitié. Le water cricket, c'est non, par contre. C'est parce que je suis bon, dernier, là, je suis d'accord, je suis dernier. C'est, là, je suis d'accord. C'est Rudy Gobert, qui a mis sa culotte à l'envers. C'est trop con. Hop moi, là. Erickson Murphy Lyon 2 Junior, c'est pas bon, hélas. Billy. Ah oui. Il y a un air, hein. Wembanyama. Moi, je sais qu'il y a un air. C'est pas lui. C'est le basketteur le plus connu de la France. Donnez pi, deux chiffres après la virgule, c'est 3-14. 3-14. Oh, ils ont mis un point. 3-14. 3-14. Laquelle de ces œuvres a été réalisée par Francisco de Goya? C'est la B. Par élimination, j'ai mis B. C'était Dali, en fait, non? Oui, pour moi, c'est B. Pour moi, c'est Dali. Bah non, c'est Dali, ça ressemblait à l'autre d'avant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Être maladroit, c'est donc avoir de main, les mains pleines de pouces, et être maladroit, avoir deux mains gauches. Oui. Être maladroit est une bonne réponse. Oui. 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 Être très maladroit de ses mains, moi, oui. Être pas habile du tout, c'est oui. C'est Medine, Jean-Michel du 67, n'est pas une bonne réponse. Medine, rappeur qui vient du Havre. Jorgen Morvovic n'est pas une bonne réponse, hélas. Bon, elle ne l'a pas. Il s'agit de Booba avant trône, ce n'est pas lui non plus. C'est Haaland et Mbappé, c'est une bonne réponse. C'est un joueur de football. C'est l'un des plus grands joueurs de foot actuels, et il est norvégien. Tout à fait, Haaland et Mbappé est une bonne réponse. Haaland et Mbappé est une bonne réponse également. Ce n'est pas bon pour Florence, et c'est bon pour Zerator. La pizza napolitaine ne doit pas dépasser les 35 cm de diamètre. Putain, je l'avais presque. Eh bien, je n'en avais aucune idée, les amis. Voilà tout. Oh, pas loin, ça. Pas loin, pas loin. Enfin, tu comptes faux pour 30, mais ça ne doit pas dépasser 30. Non, quel est le diamètre idéal d'une pizza napolitaine? Ça ne doit pas dépasser, donc... Ah bah, je suis désolé. Non, la réponse est 35. Non, la réponse est 35. Désolé, hein. Oh, c'est Shaquille O'Neal. Bonne réponse, DJ. Je sais plus comment il s'appelle, mais Shaquille O'Neal. Je l'ai mal écrit, mais c'est comme ça, voilà. Ouais. Je l'ai mal écrit, c'est lui. Merci à tous. Shaquille. LeBron James, ce n'est pas bon. Ah, DJ Diesel, c'est ça son nom de DJ, tout à fait. LeBron James. Shaquille O'Neal, tout à fait. J'ai écrit n'importe comment. Combien a-t-il l'équipe de l'NBA? Il y en a. J'ai pété les plombs. 30. Oui, oui. Dans l'NBA. Oui, oui, oui. Oui. Oh, alors Rayou, mais qui va nous écraser. 14. Oui, hein, oui, oui, le basket, oui. 12, ouais, 8. Ouais, tu l'as même. C'est bien Thierry Henry, tout à fait. J'y ai pensé. Eh oui. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent pas trop. Oui, ils se ressemblent un peu, mais... Avec la grosse beubare, là. Ouais. LeBron James, non. Vous manquiez, du coup, j'ai pas tenté. C'est Thierry Henry, tout à fait. Thierry, c'est Thierry. Ah, c'est Staline. La troisième saison du... Ah, ouais. Putain, le règne de... Putain, t'es trop chaud, mec, là. Là, vraiment, l'étoile, là... Les 30 glorieux, je peux aller me faire foutre, là. Hein. C'est pas vraiment règne. Troisième République, non. J'ai failli écrire ça aussi. Les 30, non. C'est Harry Kane sur cette image. Harry Kane. Silvius Ristorente. Franchement, j'aurais pu trouver. LeBron James, c'est pas bon. Hélas. Oui. Oh non, j'ai mis. Moi, je passe. Non, c'est pas vrai. Je te jure que je passe. Oh non. Oh non. Mais pour moi, il y avait un stop. Je viens d'avoir... C'est bon, j'ai le code, je n'ai plus rien à foutre. J'ai le code, je n'ai plus rien à foutre. Moi, j'y vais, je passe. J'y vais, je passe. J'en ai plus rien à foutre. Non, tu m'as mis faux. Pardon, je te mettrai un point. Il refuse la prio. Non, en plus, il a vraiment dit, en tout cas, moi, je passe. Mais oui, je m'en bats les couilles. Je ne monterai pas dans ta voiture, Antoine. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je passe. Et ben, en tout cas, moi, je passe. C'est l'Italie qui est alcoolisée. Vous le savez pas, ça, hein. Hop là. Hop. Ce là. Sont les équatoriens neneux. Tout à fait, équatorien, équatorienne est une bonne réponse. Ah, tout à fait. Ah, féminin. Moi, eh bien, écoute, tu n'es pas inclusif, du coup, c'est faux. Voilà. Oh, non, c'est bon. Merde. Laquelle des images tirées du film Pogno sur la falaise? C'est la B. Tout à fait. La B. Oh, du bout des doigts. La B est une bonne réponse. Même le hasard. Quel type de Pokémon est Luxio? Qu'est-ce qu'il y a? Okay. J'ai dit je ne montrais pas dans ta voiture et quelqu'un dans le chat a dit mais tu rentreras peut-être dans la sienne malgré toi. Ah oui bah ça... Non mais moi je suis un danger public messieurs dames. Luxio est électricité tout à fait, la Luxio c'est un élément haut, qui ne le sait pas saison 4. Pourquoi quand j'ai dit Lux t'as dit en vrai? Bah parce que pour moi genre tu sais la lumière, tu sais Lux, la lumière. Lux, oui. Donc lumière et électricité tu vois. Électrique. Bien vu en vrai. Le type Lux, il a fait. En vrai, il a fait. Ah bah, ça doit être ça alors. Il a un Pokémon de type Lux. Ce que j'avais écrit au début, donc je t'envoie. Ah, c'était bien la question. C'est Bob Dylan. Oui. Bob Dylan. Pas reconnu, c'est la bouche. Il va y avoir un biopic sur lui, apparemment. Un rappeur très connu, c'est un peu vrai. Oui, c'est ça. Céline sur cette photo, bien sûr. Céline bien sûr.
Stéphanien de Ricordo n'est pas... C'est son vrai nom. C'est son vrai nom, mais bon, écoute, on va pas le compter. J'aurais pu lui demander de la DER, finalement, je regrette. Oh non, Nino est une bonne réponse. C'est de la lavande. Tout à fait. C'est de la lavande. C'est délicieux. Putain, la lavande. C'est délicieux. J'en mange tous les jours. C'est vraiment délicieux. C'est tout rugby où il peut y avoir un poste d'un première ligne, de demi, la mêlée ou d'arrière. C'est le rugby. Et laisser de la bite le castrer. C'est le rugby. Le rugby. Laquelle image tirée du film de Royal Tenenbaum? C'est la A, évidemment. Merde. La A, bien sûr. Bien sûr. Non, pas du tout. C'est pas ça. Hop là. Laurence Boccolini sur cette photo, tout à fait. Boccolini. Laurence Boccolini. Le monde là. Tout à fait. Boula. Bocciolini. J'ai doublé toutes les lettres. Oui, ben ça. Super. T'as pas doublé les lignes quand même. Non, Armstrong. J'ai pas. C'est Louis Armstrong, tout à fait. Yes. Et le perdu. Trolling. Miles Davis, ouais. Le trolling. Louis Armstrong. Le R. Armstrong, tout à fait. Les sept nains sont mineurs, ils ne sont pas bâtisseurs. Tout oh, à fait. Oh, mais ils ne sont pas bûcherons non plus. Bûcherons. 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 Bon, et là, ce n'est pas bon. Et ils sont aussi rugbyman. Oh, le malaise. Ah, là, ils sont des mineurs. Ils tout ont à fait. Toute la forêt. 1492, Christophe Colomb, l'Amérique, tout à fait. 1492 est une bonne réponse. C'est les USA, tout à fait. USA, New York City, derrière, vers la 45e, je crois. On va vérifier pour te donner le point ou pas, du coup. Non, non, bien sûr, c'est bon. Les États-Unis d'Amérique, pour être plus précis, bien sûr. les États-Unis d'Amérique, tout à fait. Les cucurbitacées sont des plantes. Ah bon. Bah ouais. Ah ouais. Ouais, type de plante, il a eu bon, ouais. Je pensais que c'était des légumes. Moi j'ai mis légumes, hein, je tiens à le dire, donc. Pareil. Donc on prend votre légume gorgé d'eau, des bah. Plantes que des légumes. Parce que les légumes ça existe pas en botanique, ouais. Ouais, je sais pas. Moi j'ai mis légumes, hein, je tiens à le dire. Moi à mon avis c'est bon si on a mis légumes ou plantes, parce que c'est pour savoir si tu crois que c'est un crustacé ou une plante, quoi. Non mais c'est vrai, la question, c'est juste pour savoir si tu connais le mot. Pour moi aussi. Pour moi, Mister MV, c'est bon. Les légumes, c'est des plantes. Je sais pas, moi, je mets bon, du coup Bon, en vas-y. En fait, c'est pour savoir si tu dis... Allez, vas-y, je mets que c'est bon. Vas-y, je mets que c'est bon. Bon, moi, du coup, c'est pas bon, moi, du coup. C'est pas bon, si, moi, du c'est coup. C'est bon, c'est bon. Allez, on donne tout. Allez, on donne tout. Je m'en bats les couilles. Ah oui. Allez, je m'en bats les couilles. Allez, ça, j'ai la flemme. J'ai la flemme de débattre là-dessus. Oh, ce Marcel. C'est Zach Nani, bien sûr. À la FNAC de Darty, bien sûr. Darty. Zach Nani. Pas LeBron James, non. Et Zach Nani, tout à fait. Et il fallait mettre un point à Zerator, je me souviens. Sublime. Ah, c'était pas glorieux. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu chaud, je pense. Je pense qu'Antoine... Le non, 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 non. Ah, non, vraiment. Non, non, je te jure. Oh, je peux pas Zerator, le dernier, est en fait avant-dernier. Histoire MV. Je suis pas dernier. Et très loin devant, étoile. À 3 points. Ouais. 3 points. Ex aequo avec MV. OMG, je suis dans le lobby. GG. Quand on développe, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. GG. Oh les basketteurs, ils mettent bien là. Ah ouais, bah. Merci Sushi Nelis pour le raid. En fait, c'est trop dur. En fait, le sport, le problème, c'est que. Bienvenue à tous. C'est plutôt une fin de soirée, j'avoue. C'est tellement spécifique et. Si tu regardes pas, c'est trop dur. Mais en fait, tu retires le sport, je gagne. Non, je plaisante, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est juste que je suis vraiment trop nul avec les sportifs. Tu retires le sport et Zach Nani, c'est bon. Ah non, moi Zach Nani, je l'avais. J'avais Zach Nani, c'est bon. Et Zach Nani, j'ai quand même douté. Je me suis dit, je vais quand même pas écrire ça. Si mais vraiment, en fait, ouais, sa tête me disait grave un truc. Et je me suis dit, mais attends, on dirait Zach Nani. Et j'étais pas sûr. Je me suis vraiment dit, je l'ai écrit avec le sang sur les mains en mode, si c'est pas lui, putain, vraiment. Ouais, t'imagines, il voit ce clip et il dit, putain, mais t'as cru que c'était moi? Ouais, gros bâtard. Un problème, non, moi, problème en musique, c'est pop musique ou rap, des disques des années, vu que moi j'écoute des milliards de trucs, mais j'avoue que ouais, la culture populaire des 10 dernières années, je suis un peu... Bah, tout ce qui est pop, ça va. Rap des 10 dernières années, j'avoue, je suis nul à chier. J'avoue, je suis nul à chier. Tout ce qui est culture, j'ai... Putain, mais Bob Dylan, les légendes, hein. C'est de ma génération. Bah en fait, ouais, je me souvenais pas de lui aussi vieux, mais bon, ça devait être forcément à quelqu'un de connu, ça correspondait quand même, ouais. Je l'ai pas reconnu du tout. Tout à fait.
Bon bah écoutez, hein. Les deux petites games, c'était cool en vrai. C'est sympa. Ouais, c'est... Bravo. C'est sympa. Même si je me suis fait aplatir sur la dernière, c'est cool. Terrible. La série de la dernière était plus bizarre que la première, je trouve. Il y avait des trucs un peu chelous. Bah la première, il y avait beaucoup de basket, hein, par contre. Hein. Ouais, ah, ouais, bah la deuxième aussi, mais quand même. Merci Ravioli 2 pour les 5 subs. Merci beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de basket. Donc, oh, par contre, les 7 mecs qui sont bûcherons. Je sais pas pourquoi j'ai ouais, pensé à bûcheron. Bah, y en a, ils doivent couper du bois à un moment, ouais. Ouais. Se chauffer, ouais, tu vois, pour mettre dans la cheminée, mec. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'était juste pas leur emploi. Tu vois, quelque part. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, et oh, on rentre du boulot. Ils étaient dans une mine. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Je me souvenais plus. Donne des coups de pioche. Exactement. Bien vu, bien vu. Bon, bah, vas-y, messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous, la team. Merci, c'était très cool. Bravo. Zoup, zoup. Oui. J'ai beaucoup aimé. Merci à toi. Oui, c'est très Antoine, drôle. Je te vois au FFS. Beaucoup. Oui. Ciao, ciao. Ah ouais, moi, tu me vois aussi au FFS peut-être. Ah ouais, c'est jeudi. Hein. C'est à Fall Guys, c'est ouais, jeudi, Fall Guys. Fall Guys jeudi. Hein. Ah. C'est un lobby de 40, Zera, ça. Peut-être. 60. Non, 40, je crois. Non, 60. Le chat m'a dit que c'était 40 maintenant avec les dernières mages. Mais c'est peut-être une info de chat, hein. Tu Fall Guys là. Et ben c'est peut-être 40. Mais je sais plus s'ils ont validé déjà des gens. Mais si on a validé trop de gens, bah faudra... C'est jeudi, pas mercredi, on est d'accord, hein, ça. Hein. Ah ouais, c'est 40. Ouais, ouais, c'est jeudi, ouais. Okay. Ah, c'est 40. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup 40, hein. Ouais, c'est chiant. Je crois que c'est demain qui va. Du coup, c'est 39 subs en fait. Non, parce que j'offre 100 quand même. Et je vais peut-être pas participer en vrai, c'est pas vraiment. Non, mais je plaisante, c'est bon. Ça a changé les FFS, t'as plus besoin d'offrir aux gagnants et c'est moi qui offre 100 subs aux gagnants. Ah! Ah ouais! Ah, ok. D'être la légende, ok. Très bien. Très bien, je vois. Je vois. Bon, c'est vers 20h, non? 20h, ouais. 20h et c'est 5 games. Comme la dernière okay. fois. Ça va être rapide. Et bah, les amis. C'est pas si rapide en vrai, ça va durer 3h, 2h. 2h, heures, c'est rapide, oui, ça. Ça va aller vite, surtout s'il y a des 6 et 40. Quoi. Putain, moment, il va participer, ça va être horrible. Bref. Moment, il est venu me voir aujourd'hui, il m'a dit oh, t'as vu tous les bons joueurs qui sont inscrits et tout. J'ai dit, mais tu dis ça à chaque fois, oh, et tu gagnes. Il m'a dit, non, là, c'est vraiment chaud. Ouais, il y a JD qui s'est inscrit, je crois. JD, il est chaud aussi. Il y a qui est inscrit JD qui est fort. Je sais pas, faut aller voir la liste, mais. Il va pas y avoir des moments, des gens comme si, ça. Si, si, moment, c'est sûr. Moment et ONU, je pense qu'il doit le faire aussi. Ouais, ONU. Ah, ONU, c'est sûr. JD aussi, en vrai, il est chaud. Ouais, ONU est inscrit. Turbo chaud. JD est inscrit. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a je me souviens plus. Il y a Romain Jacques. Romain Jacques. Est-ce qu'il y a Rayou merde, comment il s'appelle? Shadoun? Est-ce qu'il est là? Shadoun, il s'est pas inscrit. Ouais, il est bon lui. Mais je crois la dernière fois, il était hyper fort. Oh, il y a Kenny Shield. Oui, il y a Kenny Shield, mais je pense pas qu'il passera malheureusement. Kenny Shield, le goût. On verra, mais. Onutrem, ouais, il y a des. C'est pas Chicheyou qui avait gagné un FFS puis UBG? Je sais qu'il avait déjà gagné un FFS, mais je sais pas. Trackmania. Il a Trackmania. Ouais. Il a gagné le FFS. Ouais, Chicheyou. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il a gagné le FFS Trackmania. Quel tueur. Tout à fait. Il joue à Trackmania? Non. Mais il avait gagné. Mais il s'était entraîné 3-4 jours pour le faire et puis voilà, il avait gagné. Ah ouais. Y a Gopher qui est inscrite aussi à Fall Guys. Ah ouais. Ouais, je la vois. Je sais qu'elle est un peu chaude à Fall Guys, en vrai. Ça va. Bon, de toute façon, Fall Guys, on verra, mais ça dépend beaucoup de si t'arrives à faire un top 1. Et si t'arrives à faire un top 1, après, il suffit d'arriver. Sans l'aide d'un copain en plus. Hein. Il suffit. Ah, mais attends, mais il y a Kaiden. Ah, bah si Kaiden passe, c'est fin de rush. Si Kaiden et Tamashi passent, en gros, ils ont 6000 couronnes. Non, mais en gros, ils ont 6000 couronnes. Non, mais ils ont vraiment. Tu sais, c'est pas en mode. Là, je pense que même moment, il a raison, tu vois. Parce qu'en fait, Tamashi et Kaiden, ils jouent à Fall Guys depuis la sortie du jeu tous les jours, 15 heures par jour. Oui, ils sont vraiment très 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 forts. Et Gakko aussi, tu vois. Zera, petit FFS sur Isaac, là. Oh, mon rêve. Petit FFS sur Isaac, là. C'est MV, hein. C'était DFG qui avait organisé aussi. Oui, mais à l'époque, je jouais pas. Depuis, j'ai 1400 heures. Mais à la base, on voulait faire un FFS sur Lethal Company, mais c'était trop difficile. Les games et les scoring, en fait. Ah bah, Iron Moss l'avait fait. Ça avait l'air bien, en vrai, son truc. Bah, je devais participer, mais j'étais malade. Donc, c'était FF, quoi. C'est dur de tout traquer. En fait, faudrait faire un mode qui permet de traquer les scores et tout. Ce serait pas mal, ça. Mais bon. Ah, sur F0. Mais c'est possible de faire des lobbies instanciés? Non, c'est impossible. Je crois qu'il n'y a pas de lobby privé sur F0. Comme Tetris, on voulait en faire un, mais il n'y avait pas de lobby privé à l'époque. Ah, ça aurait été banger, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est clair. FFS tour de coup gagné, mec. Let's go. Ultra chaud. Mais ouais, bon. Les admins valident les participants demain, normalement. Demain soir. Bon, vas-y, merci beaucoup.
Et bah, bonne soirée. Bisous, la team. Salut la team. Ciao, ciao. Bisous, bisous. C'est une très bonne soirée. Des gros bisous. Bye. Bisous, la team. Ciao, ciao. Bye. Hop là. Bon bah c'était trop bien. Très très bonne soirée encore, on a bien ri. On a bien ri quoi. On a bien ri.